Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on va utiliser les Playmobil et on va faire dans le fond un j'achète tout de la couleur nanana. Donc dans le fond, on va pas acheter, j'ai trois bacs de Playmobil, ben deux bacs de Playmobil et un bac de Mini Brand. Et on va piger une couleur ici comme ça. Il y a vert, jaune, bleu et rouge. On va piger une couleur. Puis on va essayer en 3 minutes de trouver le plus d'objets de cette couleur. Mais bien sûr, je ne vais pas le faire tout seul. Alors, je suis accompagnée de mon papa. Alors, il est là aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans le fond, on va faire ça. Puis, quand on va avoir fini, dans le fond, on va avoir 3 minutes pour trouver le maximum de choses. Ensuite, on va se trouver un personnage de la couleur la plus, tu sais, qui domine son corps, ses vêtements. Et ensuite, nous allons tenter, je dis bien tenter, de faire une pièce ou une maison pour notre personnage Playmobil avec seulement les objets que nous avons trouvés en 3 minutes. Alors, déjà, mon papa va mettre ses mains. En attendant, je vais aller chercher un cadran pour pouvoir compter après. Alors, ce sera pas bien long. Alors, déjà, on va piger. Alors, on va faire roche-papier-ciseaux pour le premier équipé. Ben, en ciseaux. Maman, c'est moi qui rentre. Alors, je vais piger. Voici mon papier. Yes, c'est bleu! Alors, bleu, c'est la couleur la plus dominante, pas mal. Et pour mon papa, nous avons jaune! Alors, bleu, jaune, donc c'est deux couleurs très populaires. Alors, bleu, c'est quand même le plus populaire, on va se le dire. Puis là, on va choisir déjà un personnage de cette couleur. C'est parti! Alors, nous avons trouvé notre personnage. Alors, c'est les deux, une femme. Alors, moi, j'ai un personnage très bleu. Donc, on a changé les cheveux. Très, très bleu. Et très belle. Donc, j'ai les cheveux de elle. Donc, voici la madame. Et mon papa a celle-là avec des cheveux jaunes. Ben, ouais, jaune. Puis, ça paraît plus derrière que c'est jaune. Ouais. Alors, bon, bref. C'était quand même difficile pour moi de démarrer. Vite. Alors, c'est parti. Nous essayons de trouver le plus d'objets en bleu. Nous avons... Ah, c'est fini. Quoi? Alors, toi, combien t'as de gemmes? 16. 25. Ah! Alors, moi, j'ai eu 25 objets et mon papa a eu 16 objets. Alors, j'ai gagné, mais déjà, après, on va faire notre maison et on va voir. Donc, on va vous présenter les objets. Je laisse mon papa commencer. J'ai une glissade. 16. Un bureau, un pied, deux chaises, un vélo, un doudou. Ouais, un coffre, un ordinateur. Un personnage encore mieux, ouais, qu'on va lui changer les cheveux. Ah oui. Tu peux Mais qu'est-ce que tu peux mettre? Des bananes. Puis j'ai trouvé une deuxième qui est un peu plus orange, mais c'est accepté. Bon. Ouais, c'est ouais, c'est accepté. Ok, cool. Fait que ça ouais. Est-ce que j'en ai tout le monde? Est-ce que t'as compté ton bonhomme? Non, fait que ça serait 17. Okay. Ça, t'avais compté ton bonhomme? Ah non. Oui, oui, j'ai compté. Ah, oh, c'est ça. Thank you.
exemple pour les deux. Alors, c'est parti. Ouais, j'avoue, j'étais pigé dans le bac que j'ai trouvé après. Ouais, mais c'est la nôtre. C'est correct. Ouais. Bon, ensuite, fait que là, on va commencer à présenter nos maisons. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, je peux commencer. Okay. Fait que dans le fond, moi, j'ai utilisé l'évier comme pièce maîtresse de la maison, comme si c'était une cuisine. Puis après, j'ai trouvé un pied que j'ai mis à l'envers pour faire une sorte de table. J'ai mis mes trois chaises alentour. Puis c'est comme si c'est l'heure du dîner, dans le fond. Fait que les deux enfants sont venus dîner à l'école avec leur boîte à lunch. Mm. Puis ça, j'ai utilisé, c'est un hamac, mais je savais pas comment l'installer. Fait que je l'utilisais un peu comme une décoration. Genre, je trouvais ça assez cool. Puis moi, j'avais une grosse glissade très encombrante, mais je l'ai viré de bord. J'ai fait comme si c'était le bureau de travail de la maman, dans le fond. Puis c'était un bureau à debout. Ça existe, c'est un peu la mode de ce temps-là. Fait qu'elle a travaillé debout, elle leur dit pendant que ses enfants viennent manger. Puis ça, c'était un peu une décoration, je pense, un vélo. Je sais pas exactement c'est quoi, mais j'ai mis ça dans le panier. Fait que c'est une scène de famille, un peu l'heure du midi. Ok. Ben, moi, c'est très bleu, là. Ouais, toi, c'est bleu. Bon, fait que là, moi, c'est moins une vraie maison, mais. Bon, fait qu'ici, déjà, on a une espèce de panier autour, là, pour pousser le sac et la valise. Ouais, c'est ça. Dans mon personnage. Ensuite, on a une glissade pour aller dans la piscine. Ouais. Intérieure. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu un appart ou genre une chambre d'hôtel spéciale, funky, c'est ça? Je sais pas, j'ai juste essayé de faire quelque chose. Ouais, cool. Bon, ensuite, on a la petite veste de sauvetage, nos deux petits lits pour les enfants. Nous avons aussi une petite collation en train d'être mangée avec des bonbons. Ouais. Nous avons ici une espèce de cuisine très bizarre, mais nous avons des bonbons en spray. Ici, nous avons comme un garde-robe avec une robe et deux bacs. Nous avons deux robes ici avec le panier de recyclage. C'est hot. Ou le panier à recyclage. Ouais, c'est ça. Ici, on a le chapeau, je ne sais pas si vous voyez bien dans le plan. Le lit des parents. Un petit tapis et un autre tapis. Alors voilà, moi ça ressemble moins à une maison, mais bon. Moi ça me fait penser à une pièce un peu dans un spa. Tu sais, yoga, puis jacuzzi, spa. Tu trouves ça un peu bien tourbillon? C'est comme ça me fait penser à ça à cause des tapis puis tout ça. Voilà, fait que dans le fond, merci de nous avoir écoutés. Ouais. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Allez, vous abonnez à la chaîne. Vous abonner à la chaîne. Donc, bye! Bye! À la prochaine! Bye!